Bonjour, je vais vous faire une présentation rapide de la nouvelle gestion des plannings. Donc, vous découvrez ici la version 5 de GSM avec un look un petit peu plus moderne. La gestion des plannings, c'est quoi? C'est le fait de définir des tâches qu'on appelle ici job. Une tâche, c'est quoi? Je vais en créer une. C'est un nom. Donc, par exemple, ici, ça s'appelle maintenance, à laquelle on va mettre un statut, pas commencer, à laquelle on va mettre une machine, donc là j'ai trois machines en stock, à laquelle on va affecter un technicien, Loïc, et pour les dessins, je vais choisir une couleur dans ma palette, là je vais prendre un joli vert lime, j'ai une couleur, je vais mettre des dates aussi, dire qu'elle commence le 3 décembre et qu'elle s'arrête le 9 décembre, et enfin je mets une petite description, c'est juste pour montrer comment ça marche. Voilà, donc j'ai un journal, etc. Je vous passe les détails. On fait enregistrer. Ma nouvelle tâche existe. Vous voyez qu'elle est apparue ici. Cette tâche, maintenant, je peux effectivement la gérer d'ici, importer, exporter, modifier. Mais ce qui est intéressant, c'est de visualiser dans le temps toutes les tâches que j'ai. Donc je vais sur l'onglet planning. Et là, j'ai plusieurs vues. J'ai une vue du jour, les tâches d'aujourd'hui. Je peux me décaler dans le temps et aller par exemple en début décembre où j'en ai un peu plus. Non, en fait, j'en ai toujours qu'une seule. Voilà les tâches que j'ai par exemple le 3 décembre. Je peux aussi avoir une vue de la semaine où je peux mettre les jours que je veux et je vois ce que j'ai dans la semaine du 3 décembre au 7 décembre, où je peux prolonger un petit peu pour aller plus loin jusqu'au 10 décembre. C'est une vue calendrier. Et j'ai aussi une vue mensuelle ici, où je vois qu'en novembre, j'ai 2 jours où j'ai des tâches, je suis en jaune, c'est une coloration légère, j'ai qu'une seule tâche en cours en novembre. Et si je vais en décembre, ça se complique un petit peu, parce que le mardi, j'ai 0 tâche, le mercredi, j'ai une tâche, je suis en jaune. Après, j'en ai un peu plus, probablement 3, je passe en orange. En rouge, j'ai vraiment beaucoup de boulot. Et 29, 30, 31 décembre, je vais pouvoir souffler un petit peu. Donc ça, c'est la vue mensuelle. Et si je reviens en vue semaine, par exemple, j'ai le choix d'une visualisation par machine, où je vois classées par machine les différentes tâches qui ont différentes couleurs et les personnes dessus, ou alors une vue par technicien, ou alors une vue par job où j'ai la totalité. Bien sûr, l'ergonomie peut être améliorée au maximum. Par exemple, si je suis dans la vue mensuelle, je double-clique sur une case, je vois le détail du job. Si je vais au mois de décembre, j'en ai plusieurs simultanément, et que je double-clique, je peux voir le détail de ma journée avec tous les jobs en cours. L'idée, c'est d'avoir des outils très, très souples et très pratiques pour adopter la visualisation qui vous va bien, qui ira le mieux en fonction de vos équipes et de votre métier. On a bien sûr la fonction imprimer, exporter, etc. etc. Je vous remercie. N'hésitez pas à nous contacter pour toutes vos demandes. À bientôt.